Vidéo Leader. Numérisez votre vie. Vous voulez faire de votre talent un métier? Venez à Vidéo Leader. Vidéo Leader. Numérisez votre vie. Le coronavirus existe vraiment et c'est aussi au Bénin. Donc respectons les gestes barrières parce que c'est très très sérieux et le coronavirus. La COVID-19 a installé la peur et la désolation dans le monde. Arrêtons le catastrophisme, car la peur nous rend vulnérables. Respectons les consignes données par le gouvernement. Respectons les gestes barrières. Protégeons les enfants ainsi que les personnes âgées. Restez chez vous. Respectons le port de masque obligatoire. Pourquoi il faut porter un masque? Voyons ce qui sort de notre bouche lorsque nous l'ouvrons. Quand nous parlons, coucou, 36 gouttelettes vont jusqu'à 1 mètre de nous. Quand nous toussons, 719 gouttelettes vont jusqu'à 2 mètres. Et quand nous éternuons, nous propageons 40 000 gouttelettes jusqu'à 5 mètres. Comment porter les masques? Bon. Mauvais. Mauvais. Évitons les comportements suicidaires. Portez vos masques ou restez chez vous. Restez chez vous. Le nombre de cas de contamination au COVID-19 continue toujours de grimper dans le monde. À la date du vendredi 17 juillet 2020, on répertorie un total de 13 973 986 personnes touchées par le coronavirus, dont 8 097 511 personnes déclarées guéries et 593 379 décédées. À l'échelle continentale, l'Afrique reste le continent le moins touché par la pandémie, avec un total de 666 050 cas de personnes touchées. Au nombre de ceux-ci, on dénombre 343 636 patients déclarés guéris et 14 358 décès. Le Bénin, quant à lui, petit pays de l'Afrique de l'Ouest, a atteint le millier de cas depuis quelques semaines. Il compte aujourd'hui sur son territoire 1602 personnes contaminées. Parmi ces victimes, 782 personnes ont été déclarées guéries, 789 sous traitement et 31 en sont décédées. Le coronavirus est une maladie infectieuse provoquée par un nouveau virus qui n'avait encore jamais été identifié chez l'être humain. Dans le monde, les cas de contamination augmentent ainsi que les décès. Vous pouvez réduire le risque de contracter l'infection si vous vous nettoyez fréquemment les mains avec un produit hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Vous vous couvrez le nez et la bouche avec un mouchoir ou le creux du coude quand vous toussez ou éternuez. Vous évitez les contacts étroits avec toute personne ayant des symptômes de rhume banal ou d'état grippal. Dorénavant, quand vous circulez, portez vos masques respectant les caractéristiques sanitaires pour limiter la propagation du virus. En cas de fièvre ou difficulté respiratoire, appelez le 51 02 00 00, 51 04 00 00 ou 95 36 11 07. Soignons responsables. Ceci est un message de sensibilisation des Rotary Club du Bénin. Ensemble, protégeons-nous. Vidéo Leader, numérisez votre vie.